Oui, sir. Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Reprise and de l'audience. We will hand the floor to the lead co-lawyers for civil parties la chambre to continue la presenting à their key documents pour la suite de sa présentation relation des documents to joint criminal enterprise. You may proceed. À l'entreprise criminelle commune. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi à vous, thank you, ainsi Mr. President. Personnes présentes. Good afternoon to you and to everyone je vais donc else present in this courtroom. Dans cette politique I will continue my presentation on et au camp de the policy travail. Regarding ce matin, cooperatives j'ai évoqué and un des éléments work sites. This morning, qui était, I to one of the un des objectifs decisive qui était d'augmenter elements. La production. The et je voudrais maintenant m'arrêter sur le second production. Objectif I would now like to qui a talk déjà about été évoqué the second par messieurs les co-procureurs that has already been, et qui est dealt with by de the dire que les coopératives permettaient de contrôler et de détecter les ennemis. Allowed donc je vais commencer par lire le document and detection of enemies. Évoquer le document D22/2751. 2751. Il s'agit d'une partie civile it qui était à ce moment-là située à Takeo. Who at the time les ERN resided de ce document Takeo, sont les suivants. 00 8 9 6 3 9 en français. 00 8 7 3 6 7 7 en anglais. Et enfin en Khmer, 00 5 5 6 1 8. La citation est très courte the et cette partie civile dit short, notamment, the civil party je cite, says the following, and là-bas, there, ma famille et moi-même étions constamment appelés le peuple du 17 avril. Nous étions contraints people. De travailler plus dur que le peuple de base, entre guillemets, people. Peuple de base, and base people et recevions moins de nourriture que and ce dernier. We received less food than the base people. Je voudrais ensuite évoquer I'd la constitution like de partie civile refer D22 civil party application D22/1242 ERN en français 00 90 62 25 25. En anglais in English 00 8 9 1 2 1 4 et en Khmer 00 5 2 3 3 7 9. Il s'agit d'une partie civile qui and était à ce moment-là située à Kampong Chnang et qui dit ceci, je cite, « Quand une personne était malade when et ne pouvait pas aller travailler, les Khmer Rouges disaient qu'elle était malade de la tête. » Au moment du repos du soir, head, le chef des miliciens a contrôlé toutes les maisons, evening, les unes après les autres. Il a confisqué tous les biens personnels, tels que les montres, de l'argent, et a cherché à connaître notre passé, money, notre profession, sous le régime de l'ONNOG. Fin de citation. Un peu plus loin, cette partie civile indique ceci. The civil ceux qui ont été évacués ont été appelés les gens du 17 avril et ont été observés à chaque instant. All the time. Je vais ensuite évoquer la déclaration de partie civile D22/143. Il s'agit d'une partie civile qui this se trouvait à Kampong Tom was in Kampong à ce Tom moment-là. At the time. ERN français the ERN in French 00 8 9 8 3 4 7 4 7. Anglais in English 00 40 40 40 2 9 2 9 4 9
49 et Khmer, and in Khmer 00 36 53 77 77. Et cette partie civile fait référence au terme utilisé par les Khmer Rouges pour définir certains ennemis, les termes qui ont été évoqués par messieurs les coprocureurs, comme mentionné dans l'étendard révolutionnaire ou d'autres documents officiels du régime. Cette partie civile dit ceci, je cite, « Si quiconque se montrait paresseux, les Khmer Rouges le torturaient et l'accusaient de s'opposer à l'Ankar. » Dans le même objectif, je vais citer la déclaration de la partie civile D22/147 qui se trouvait alors à Svay Rieng, ERN en français, 00 89 68 1 7 1 7, anglais, in English, 00 00 40 2 9 6 1 6 1, et Khmer, and in Khmer 00 36 36 8 6 8 2 8 2. Cette partie civile dit ceci. Says the following. Madame Neang, la femme de mon oncle Kaop Leang, m'a dit que son mari avait souffert de malnutrition et de diarrhée. Her husband had ne pouvant pas travailler, and diarrhea. Il a été accusé d'être paresseux et n'a donc pas reçu de médicaments. Il en est mort au marché de Khor Handok. He died as a result of that. Enfin, toujours sur ces termes utilisés dans la politique Khmer Rouge, je voudrais évoquer la constitution de partie civile D277/8, ERN en français 00 42 41 36 36, anglais 00 38 38 47 8 7 8 7, et Khmer, and Khmer 00 00 37 37 55 55 48 48. Il s'agit d'un procès-verbal d'interrogatoire par les juges d'instruction. An interview by the co-investigating judges. Et cette partie civile dit ceci, and je cite, this is what that civil party states, and I quote, j'ai été maltraité quand j'étais malade. Les Khmer Rouges n'ont pas cru que j'étais réellement malade. Ils m'ont accusé d'être une paresseuse. Of being j'ai lazy. Alors été puni. I was therefore punished. End of quote. Je voudrais ensuite évoquer la constitution de partie civile D22/2011, une partie civile qui se trouvait alors à Pursat, ERN en français 00 09 00 00 237 237, anglais, in English, 00 00 89 89 36 86 89 et 90, et Khmer, and in Khmer 00 00 54 54 1 7 1 7 7 0 7 0. Et cette partie civile and dit ceci, civil party states as following, durant la as période follows, de repiquage, quote, les soldats et les miliciens Khmer Rouge surveillaient constamment les habitants déportés au village de Bak Khrot, car ils étaient considérés comme le peuple du 17 avril. They were considered as 17 April people. Ils continuaient à déclarer que ceux qui étaient fonctionnaires, commerçants et étudiants devaient leur dire la vérité pour pouvoir reprendre les mêmes fonctions. Au fur et à mesure, les anciens fonctionnaires sont partis et ils ne sont jamais revenus. Je voudrais enfin
évoquer Lastly, I would like to refer to la partie civile D22/2014, ERN 00903104 en français, anglais in English, 00089906565 en Khmer, in Khmer 00 580 786 736. Et toujours sur ce sujet du contrôle et de la détection des ennemis et des critères de la définition d'un ennemi, cette partie civile dit ceci. Je cite, quand j'habitais dans la commune de Chey, district de Chuuk, province de Kampot, j'ai été convoqué à une réunion dans la pagode de Damnak Traung, district de Chuuk, province de Kampot. J'y suis allé, c'était peut-être en 1977, quand j'ai participé à cette réunion-là, on a demandé à tous les participants de regarder un homme et deux femmes qui avaient manqué aux règles de conduite morale. Tous les trois étaient attachés et les Khmer Rouges nous ont dit de ne pas prendre exemple sur eux car ils allaient les tuer tous les trois. Je voudrais maintenant passer à un autre objectif like de cette politique des coopératives et des camps de travail qui était un objectif d'élimination de la sphère privée et de développement d'un régime collectiviste. And developing collectivization. Je voudrais évoquer maintenant la déclaration de partie civile D22/1644 à l'ERN en français 00 89 51 87 87, anglais 00 89 12 47 47 8 Khmer, in Khmer 00 53 23 23 4 7 4 7. Cette partie civile évoque les divisions de la famille par des catégories particulières et elle dit en 1976, la milice Khmer Rouge nous a répartis par groupe et par force physique. Ma famille, comme celle des autres, s'est retrouvée séparée. On était sept dans la famille, mon père, ma mère, moi-même, ma petite sœur, ma nièce, mon fils et ma fille. Mes deux enfants se sont retrouvés dans l'unité des enfants. Ma nièce est restée avec sa grand-mère. Moi, je suis allée dans l'unité de la tranche d'âge moyen. Ma sœur, Tep Pik, était dans l'unité itinérante. Itinerant group. End of quote. Je vais maintenant évoquer la déclaration de partie civile D22/2903. ERN 00 77 96 07 en français. 96 ERN en anglais 00 77 96 05 et 06, et en Khmer, and in Khmer ERN 00 55 83 51. Cette partie civile évoque les repas collectifs et elle indique début 1976, nous n'avons pas été autorisés à manger chez nous, c'est-à-dire que le peu de vivres qui restait et d'autres objets courants ont été perquisitionnés par l'ANCAR pour les mettre tous en collectivité dans la coopérative. Les propriétés privées
n'était plus autorisé, nous étions ordonnés de manger en commun dans la même salle de cuisine. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22-3765, ERN en français 00-89-27-10, anglais 00-89-27-62, et Khmer 00-8-7-5-0-0-9. Cette partie civile évoque également le discours des Khmer Rouge sur la collectivité. Elle indique, ouvrez les guillemets, les Khmer Rouge nous ont installés dans ce village situé dans la forêt et nous ont ordonné de construire notre cabane nous-mêmes. Nous avons été alimentés en collectivité et personne n'était autorisé à manger seul. Ils nous ont réparti des travaux aux hommes, aux femmes, aux personnes âgées et aux enfants, tous mélangés de l'aube jusqu'au soir, jusqu'à 22 heures avant de nous permettre de nous reposer. 22 hours before we were allowed to rest. End of quote. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22/524 qui se trouvait à l'époque à Battambang et qui elle aussi évoque la division de la famille. ERN en français 00-8-9-7-1-2-9, en anglais 00-8-9-0-5-9-9 et en Khmer 00-4-9-6-9-5-2. Je ne vais pas lire un extrait de cette partie civile. J'indique qu'elle explique simplement que les Khmer Rouges ont imposé une division des familles et une séparation de ces familles. And separation of family members. Enfin, and lastly, dernier document sur les coopératives et camps de travail, je vais évoquer la partie civile D22/836 qui se trouvait à l'époque dans la région de Kandal. ERN 00-8-6-0-9-6-9. Anglais 00-8-9-3-5-3-2 et Khmer 00-5-0-4-6-0-1. Cette partie civile dit ceci, je cite, nous étions paysans, les soldats Khmer Rouge ont confisqué les biens des habitants chez eux afin de les remettre au collectif, ils ont ordonné à tout le monde de s'habiller en noir. J'ai terminé avec cette politique. Et je voudrais maintenant passer à la politique de rééducation concernant la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis. Là encore, je vais m'attacher à m'arrêter à chacun des éléments déterminants des objectifs de ces politiques tels qu'ils ont d'ores et déjà été évoqués par messieurs les procureurs. Je voudrais d'abord évoquer la partie civile D22/1557 ERN en français 00-90-5218 en anglais 00-88-9-7-2-6-9
8 4 9 8 4 9 8 Khmer 00 00 5 3 5 3 0 3 0 3 9 1 9 1 et 9 2 and 9 2. Cette partie civile dit ceci. Nous devions dire si, auparavant, nous étions fonctionnaires, membres de l'armée ou étudiants. Ils nous ont dit de dire toute la vérité. Alors nous pourrions retourner à notre ancien poste. Cette réunion a été présidée par le dénommé Bin. Mon beau-frère, Li Heng, a avoué qu'il était soldat dans l'armée de Lon Nol. Les personnes ayant dévoilé leur passé ont été envoyées à la rééducation pour aider à construire le pays et ils ont depuis disparu. Un peu plus loin, cette partie civile dit ceci. Un ou deux mois après la mort de ma petite sœur au début de l'année 1976, en fait, Lankar nous a demandé pour la deuxième fois de révéler notre ancienne profession. Si nous disions la vérité, elle nous enverrait suivre une formation pour développer le pays. In order that we could help develop the country. End of quote. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22/2896. ERN 00 807 149 en français, en anglais 00 7 9 7 9 3 3 3 3 6 3 6 3 et en Khmer 00 00 5 5 5 5 8 2 8 2 3 3 3 3. Cette partie civile dit ceci. This civil party states as follows. Le 17 avril 1975, comme tout le monde le sait, c'est le jour de la victoire des forces armées Khmer Rouge sur le régime du maréchal Lon Nol. Par la suite, ils ont appliqué une politique de division et d'évacuation de la population. Elle a été divisée en plusieurs groupes. Celui du peuple du 17 avril d'un côté et celui des fonctionnaires du régime de Lon Nol de l'autre. Ils questionnaient ces derniers sur leurs anciens postes en leur promettant de les réintégrer dans les mêmes postes et fonctions. Alors, les gens qui souhaitaient avoir du travail exagéraient leurs responsabilités en répondant qu'ils travaillaient dans tel ou tel ministère. L'interrogatoire terminé, le Khmer Rouge les envoyait à la mort, prétextant qu'on les envoyait en rééducation complémentaire. Le mot « rééducation » était vraiment synonyme d'exécution. Il s'agissait de la première étape de leur projet. That was the first pour l'étape suivante, in ils ont procédé à des purges contre le peuple du 17 avril. They purged the 17 April people. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22 slash 823 ERN 00 8 4 8 4 8 4 8 4 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8
end of court. Je vais maintenant passer, I will now toujours dans le cadre de la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis, à un autre thème qui est celui de la définition talk about another topic, de la notion d'ennemis, telle qu'elle a déjà été évoquée par messieurs les coprocureurs. Et je vais évoquer la partie civile 277/6. ERN en français, French ERN 00 42 42 64 64 11 11. Anglais, in English 00 00 37 37 73 73 69 69. Et Khmer, and 00 00 37 37 55 55 25 25. Cette partie civile dit ceci, states as follows, je cite, and I quote, j'ai pu voir quantité de gens se faire arrêter. A number of people on nous a dit que ces gens-là ont été envoyés pour se faire rééduquer, se faire corriger. And to be corrected. Pourtant, nous ne les avons jamais vus revenir. We never saw them. Nous savions alors qu'être envoyé se faire rééduquer et se faire corriger voulait simplement dire qu'on est emmené pour se faire exécuter. Les habitants ont été arrêtés s'ils ont volé de la nourriture ou bien s'ils avaient une mauvaise biographie qui, en d'autres termes, voulait dire qu'ils ont eu le statut de fonctionnaire dans la société précédente. J'évoque maintenant la partie civile D22/452 qui se trouvait dans la région de Kratier. À cette époque, during the time of the ERN en français, the ERNs in French 00 are 00 81 32 23 23. Anglais 00 English ERN 81 00 8 6 04 8 6 04. Et Khmer, and in Khmer 00 00 49 49 5 9 7 8 7 8. Cette partie civile dit ceci, party states as follows, je cite, and I quote, pendant les heures du travail, during work hours, les miliciens nous observaient constamment. The militiamen, si on disait quelque chose d'inapproprié, on serait appelé à une rééducation. Le simple fait de dire qu'on était fatigué était également condamné. Was cause for condemnation. Et un peu plus loin, further on, cette partie civile ajoute, the same civil party adds, je cite, and I quote, pendant la nuit, on devait monter la garde et poser des barrages pour se protéger contre les ennemis. Guard, protect the dams, on n'était pas armés et on n'avait qu'un couteau et une hache. We were not armed, we were only given a knife. Pendant la garde de axe, nuit, nous restions toujours sous la surveillance des miliciens, chargés de veiller under surveillance à ce que of the nous militiamen, utilisions and they were making sure de discours corrects that we were saying et que only nous soyons vigilants et attentifs. And making sure that we were being vigilant on devait and attentive. Être responsable de toute négligence survenue we were responsible lors du for tour any de notre respectif negligence that would have occurred during our et on risquait également d'être accusé d'être complice de la CIA. Also vulnerable to being accused, ainsi, tant of mon groupe being que les CIA. Autres, on restait toujours vigilants in others, et n'osait pas dormir. Vigilant and we never le chef de groupe slept. Est venu tous les the trois jours pour surveiller leader si on avait bien exécuté le travail sure conformément au plan de travail ou non. With the work plan given to us. Je vais citer maintenant la partie civile D22/3744. I wish to now quote from D22/3744. ERN 00
89-10-77 en français. In French. En anglais, the English ERN 00-88-96-76 et en Khmer 00-87-54-43. Cette partie civile dit ceci. Les communistes nous menaçaient sans arrêt parce qu'ils avaient l'intention d'exécuter tous les membres du peuple nouveau sous ce régime. Précisément, ils ont dit, deux points, voilà guillemets, si on te garde aucun gain, si on t'extirpe aucune perte, fermez les guillemets. To annihilate you. En accusant le peuple nouveau d'avoir exploité leur travail, ils voulaient donc l'exterminer. Work, their work, and therefore they were sought for extermination. Je vais citer maintenant la partie civile D22/32 ERN en français 00-89-99-28 anglais English 00-33-22-19 et Khmer 00-27-97-52. Je cite ce passage non pas pour la mise en œuvre de la politique, mais pour les termes utilisés pour définir les ennemis. Establish the implementation of policies, but to demonstrate the terms that were used at the time. The civil party states as follows. But further on during the same year of 1978, my father stole afin de nous donner à manger gruel that was meant for pigs. Le jour où il s'est fait prendre, il a été renvoyé dans un camp de rééducation. The day that he was caught, he was sent to a re-education camp. Je cite pour les mêmes raisons reasons, la partie civile D22/3765 qui évoque aussi le vol comme déterminant la qualité d'ennemi, ERN 00-89-27-11 en français. In French, en anglais, in English, 00-89-27-63 et en Khmer 00-87-50-10. Et cette partie civile dit ceci. Quant aux autres Khmer, stated, j'ai vu les Khmer rouges les emmener pour les exécuter sans merci alors qu'ils avaient juste volé un tube de bambou rempli à moitié de jus de palme ou un nid d'œuf de poule ou encore un coq. Certains étaient accusés d'avoir enlevé discrètement des grains de riz pour en faire cuire et en manger. One particular person who je tiens à préciser one single que grain deux of rice de mes fils ont été exécutés parce qu'ils avaient volé un peu de nourriture pour calmer leur faim. Food in order to, satiate their hunger. Enfin, et en dernier sur ce sujet de la définition des ennemis, je voudrais citer la partie civile D22/1644. 1644 ERN 00-89-51-89 en français, en anglais 00-89-12-50 et en Khmer 00-532-349. Là encore, il est question de vol et la partie civile dit ceci. Un de mes neveux, Tep Pruen, d'une unité itinérante d'enfants, fils de Tep Chim et de Yem, a volé une des poules qu'il devait élever. Les autres enfants l'ont dénoncé. La milice l'a emmené dans un centre de rééducation ou de détention. Re-education or detention center.
Je voudrais maintenant évoquer un autre sujet, toujours dans le cadre de la rééducation des mauvais éléments et l'élimination des ennemis. C'est le thème défini par cette politique de l'identification, des méthodes d'identification de ces ennemis au sein des coopératives. Le premier document que je vais citer est le document D22/2068. Et je vous prie de m'en excuser par avance, le citer en anglais, car il n'y a pas de traduction française pour le moment. Le RN anglais est le 00-8-9-3-3-8-3 et Khmer 00-5-4-4-5-6-0. Et cette partie civile dit ceci civil party en anglais says, as follows. Those Khmer Rouge soldiers were very good investigating. They went around asking and searching for those citizens who were doctors, teachers, soldiers, military personnel or professors, and then killed them ensuite, and their whole families. Ils les ont tués ainsi que leur famille entière. I knew that my husband's biography could not be concealed forever. Ne pouvait pas être dissimulée indéfiniment. Je voudrais maintenant citer la partie civile D22/1414 qui se trouvait à Pursat. Pendant le régime Khmer Rouge, ERN en français, 00-8-9-3-9-6-0, anglais 00-8-9-1-2-3-5 et Khmer 00-5-2-8-1-3-3. Et cette partie civile dit ceci, je cite, says, quote, ils ont été régulièrement espionnés par les petits soldats espions. Ma famille était aussi considérée comme des gens du 17 avril. Mes parents étaient espionnés dès qu'ils faisaient un pas. Ils ont demandé à mes petits frères et sœurs ce que faisaient nos parents, leur disant que s'ils le leur disaient, nos parents auraient un poste important. Ils étaient doués pour espionner. Les personnes âgées ou les jeunes, peu importe, étaient tous piégés par leurs ruses. Par exemple, ils ont fait campagne en disant que tous ceux qui étaient commerçants, soldats, professeurs ou tous ceux qu'ils considéraient comme tels pourraient retourner travailler dans leur ancien lieu de travail. Ces gens leur ont alors raconté ce qu'ils avaient fait comme métier. Ils ont donc été transportés dans plusieurs véhicules pour partir. Je vais maintenant évoquer la partie civile D22/3772 qui se trouvait à ce moment-là à Kratie, puis à Kampongcham. Le RN en français 00-8-4-6-0-5-4 en anglais 00-5-6-9-9-2-2 et 2-3 et Khmer 00-8-6-3-9-6-0 et 6-1. Et cette partie civile dit ceci. Au bout d'un mois, j'ai cependant été épinglé en tant qu'anticommuniste.
Et l'on m'a averti que je serais envoyé dans les montagnes pour être éduqué à propos du communisme. Un peu plus loin, cette partie civile dit ceci. States the following. Après notre arrivée à Kampong Cham, ils ont organisé un immense rassemblement de 2000 personnes. Ils voulaient que l'on ait la foi dans l'Angkar, que l'on travaille dur au service de l'Angkar, que nous renoncions à tout égoïsme et que nous fassions preuve de plus d'humilité. Show proof of humility. Et enfin, un peu plus loin, cette partie civile dit selflessness. Deux fois par further an, the civil party says, ils nous demandaient de raconter notre histoire au chef du village afin d'être sûr que personne ne ment. In order to make sure that nobody was Il lying. Arrivait qu'ils accusent certains de mentir they had accused pour some peu people of qu'ils lying. Ne les aiment pas. And for those Cela, who they did not like, on venait les chercher la nuit, they were on ne les revoyait jamais. Weeded out during the night. Taken away and we never saw them again. Je vais évoquer maintenant la partie civile D22/328. I will now quote from D22/00908046649. Anglais, in English, 00 the ERNs are 06444892. Et Khmer 00 48 47 26. Cette partie civile dit ceci. Plus tard, les Khmer rouges ont convié certaines personnes à une assemblée pour écouter le rapport de ce qu'ils avaient fait. Le camarade Chim, had drawn up. Le chef du village a dit, chief of the village, lors de cette assemblée, said during the assembly, les personnes arrêtées précédemment that those who had been faisaient de la résistance, had resisted. Ouvrez la parenthèse, je ne sais pas à qui ils s'opposaient, fermez open la parenthèse. Quote, I don't know who they were against. C'est la raison quote. Pour laquelle nous devions This les éliminer why we had to eliminate them. Et vous devez tous être prudents à l'avenir. And we were told, you all have si to be careful from here on in. Si quelqu'un ose s'opposer à nous, il sera anyone exécuté could be against us. If anyone comme did show ses any opposition, ennemis. They could be executed like the enemies. End of passage. Je vais citer maintenant la partie civile D22/1836 I will now quote from D22/1836. Encore une fois, je vais citer en anglais, je m'en excuse encore. Car il n'y a pas pour le moment de version française. I will have to quote from the English version since there is no Cette French translation. The civil party se trouvait à Kampong Cham, was living in Kampong Cham au moment de cette déclaration. ERN en anglais 00 8 3 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4
94 97 97 97 puis 34 9500. Il y a deux extraits. The document is D217/3. Une question est posée à cette partie civile. In response to a question put to the civil party. Les dirigeants Khmer Rouge dans votre village ont-ils déjà commencé à conduire l'interrogatoire et à arrêter les gens? Ont-ils assigné des travaux durs aux habitants? Ont-ils respecté les droits des habitants? Et la partie civile répond: à l'époque, les Khmer Rouges n'ont pas infligé de mauvais traitements aux habitants. Ils ont dit aux habitants qui avaient travaillé pour le régime de Lon Nol et à tous les instruits de se présenter. Ceux qui s'étaient présentés ont été emmenés pour rééducation. Le deuxième extrait de cet interrogatoire de partie civile, dont j'ai déjà donné les ERN, est à propos des réunions d'autocritique. Une question est posée à la partie civile. Avez-vous jamais assisté à une réunion autocritique? Réponse. Il y avait des réunions autocritiques pendant lesquelles les habitants rapportaient au Khmer Rouge ceux qui étaient paresseux pour travailler. Si l'on a déjà dénoncé quelqu'un pour deux fois et que ce dernier n'a pas changé de comportement, les Khmer Rouges l'emmèneraient pour exécution. And who didn't change their behavior, and therefore they would be sent by the Khmer Rouge for execution. Je vais maintenant aborder un autre élément déterminant de cette politique. I shall now move le fait que cette politique de rééducation des mauvais éléments et d'élimination des ennemis s'appliquait également aux proches de la famille. Je vais citer la partie civile D22/193, ERN en français. I will begin by quoting from D22/193, French ERN 00 4 4 6 5 8 8 6 8 9 7. Il n'y a donc pas de RN en français pour le moment. Cette partie civile dit ceci. ERNs. The civil party says as follows. I was removed from the community and placed in a work site where the relatives of the traitors worked. The work site was far from the community. Était loin de la communauté. Je vais citer maintenant la partie civile D22/342. I shall now quote from document D22/342, the French ERN 00920506, anglais 00 8 6 4 5 5 1, et Khmer 00 4 8 4 8 7 3. Cette partie civile dit ceci. Je précise qu'elle est à ce moment-là à Kampong Cham. Je cite, juillet 1978, 16 de mes proches, cités ci-dessous, ont été massacrés par l'Angkar Khmer Rouge à Kampong Cham. Ils étaient accusés de faire partie du réseau de Sopim, un chef Khmer Rouge, accusé d'avoir trahi l'Angkar who had been accused of betraying revolutionary Angkar. Je vais maintenant citer la partie civile
E3 slash 3963. ERN en français 00 33 38 81. Anglais 00 24 22 51. Et Khmer 00 98 4040. Pardon, en Khmer, je reprends. I'm sorry, I'll have to begin again. The Khmer 1984. The speaker says 00198403. Cette partie civile dit ceci. C'était une prison sans murs. Là-bas, il n'y avait que des femmes de soldats et des peuples nouveaux. Women and children, ouvrez les guillemets, people, les gens du 17 avril, fermez les guillemets, April 17, à qui on ne donnait à manger que de la bouillie de riz mélangée avec des nénuphars. Je vais citer maintenant la partie civile D22/3461 qui évoque à la fois the civil party, les familles de, des soldats de l'ONNOL, talks ou des fonctionnaires de l'ONNOL et la famille elle-même. Families of L'ONNOL soldiers or L'ONNOL officials. Cette partie civile, ERN en français, 00 85 90 55, anglais 00 85 65 22 22, et Khmer 00 56 63 93. Cette partie civile dit ceci. 7 jours plus tard, les Khmer rouges ont découvert que mon mari était un soldat de l'ancien régime. Ils sont alors venus m'arrêter. They therefore came to arrest me. Monsieur le Président, j'en ai terminé Mr. avec la politique President, des mauvais éléments et ennemis. I Je peux débuter maintenant la politique appliquée au groupe spécifique, ou si enemies. Vous préférez, nous pouvons faire une I pause maintenant begin et my j'enchaînerai document après, presentation on the comme policy vous souhaitez. Treatment of targeted groups, but I am more than happy to oblige if you wish to call for the break now before I begin. The President, le président. How much time would you need to present de all the remaining documents? Please? Avez-vous besoin pour la présentation des documents restants? Il me reste à évoquer deux politiques. Si j'ai bien compté, j'ai pris jusqu'à maintenant à peu près 20 minutes ce matin et 55 minutes. This morning and 55 minutes this afternoon, I should expect to use up the same amount of time. I don't know if I shall finish this afternoon, and if it is not the case, I will have no more than 30 minutes during tomorrow's morning session. President, thank you. President, it is now appropriate moment for the adjournment. Une pause. The chamber will adjourn jusqu'à until 14h45. Suspension de l'audience.